Alright, ben d'où vient ma passion du barbecue? Ma passion du barbecue, ça a commencé jeune. Hein? Chez nous, j'ai été initié à la cuisine à un très, très jeune âge. Donc, je te dirais autour de 5-6 ans. Je suis un vrai de vrai Montréalais, par contre. Donc, mon espace barbecue se résume à tout ce que je peux rentrer dans un balcon de 4x8. Encore ce jour, par contre, j'ai un fumoir et deux barbecues. Une chance que mes voisins me reconnaissent, ça l'aide quand je parle de fumoir. Ben oui. Ils ont des petits ribs, là, habituellement. Fait que vraiment, ça vient de là, puis on avait un petit bâchis à l'époque. Puis déjà, mon père, ma mère m'ont grillé mes propres dogs. Puis a star is born, comme dirait Lady Gaga. Exactement. Puis quand t'as besoin, tu sais, quand t'as envie d'un bon barbecue à Montréal, tu vas où? Quand j'ai une rage pour des bonnes grillades à Montréal, moi je trouve que les Portugais, c'est un peuple qui connaissent bien la grillade. Il y a quelques endroits là, qu'on peut aller. Je pense c'est Jeannot sur Saint-Laurent, qui est quand même dur à battre. Pour un bon steak grillé, bon, si on est un petit peu plus droit en l'air, on va faire un petit tour chez Moishes. Mais sinon, là, moi je trouve que barbecue, pour moi, c'est moins restaurant. Ça se passe d'une cour avec ses amis. Puis il faut que je donne des props à un de mes chums et champion de barbecue, Simon Blest, qui est la fierté de Tétroville, là, les sauces SJB Barbecue. He is the man avec le grill. Fait que ça va être la place à être cet été, Tétroville. Ça va être la place on à va être. Faire le tour, Tétroville on va être trendy cet été, je vous le dis. Yes, hashtag Tétroville.